Allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Ces vers vous semblent familiers, n'est-ce pas? Ronsard les a écrits ici, il y a presque 500 ans. En 1564, il est le prieur de Saint-Côme, bâti sur une ancienne île de la Loire. Catherine de Médicis, épouse d'Henri II, roi de France, aimait-elle aussi se promener dans ce jardin. Bien des siècles plus tard, en 1951, le département d'Indre-et-Loire achète le prieuré. Créé en 1988, le jardin couvre 2 hectares et s'inspire des jardins d'abbaye, une succession de petits jardins clos et des jardins renaissance, des parterres réguliers à broderies. Les rosiers sont présents partout dans ce jardin, un hommage au poète, dont le tombeau est installé ici depuis 1934, au pied bien sûr d'un rosier. Derrière le logis du prieur, un potager et des serres. Jean-Pierre est en pleine discussion avec Frédéric Guersch. Et de quoi parle-t-il? Jardinage, bien sûr. Frédéric, on est dans le jardin de Ronsard. Je m'attendais à trouver surtout du rosier. Et puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de légumes. Alors pourquoi un potager dans ce jardin? Ben c'est vrai que c'est le fil conducteur de tous les jardins du prieuré de Saint-Côme, le rosier. Mais même dans le potager, vous retrouvez des rosiers. Vous voyez, donc, dans chaque jardin, il y a des rosiers. Mais donc on a créé un jardin potager parce que les moines vivaient en autarcie. Donc on a retrouvé sur des plans anciens, il y avait des planches dessinées comme celle-ci exactement, où ils cultivaient leurs propres légumes. Donc ils faisaient leurs petits légumes, leurs petites herbes aromatiques, leurs fruitiers. Et donc c'est vrai que les moines, ils n'achetaient pas leurs légumes, ils les cultivaient. Il y avait déjà de l'asperge ? Il y avait déjà de l'asperge, de l'artichaut, vous voyez. Et donc les légumes aussi sont plantés aussi un peu par rapport au poème de Ronsard. Vous retrouvez le poème de Ronsard, artichaut, l'artichaut et la salade, l'asperge et la pastonade et les peupons tourangeaux ne sont herbes plus friandes que les royales viandes qui ne servent à Monceau. Des fèves? Alors ça, ce sont des fèves, oui, parce qu'à l'époque, les légumes, tous les légumes à écossais, les haricots, les fèves, les petits pois se cultivaient beaucoup. C'était vraiment un légume très, très commun à l'époque, hein, beaucoup de haricots secs parce que ça se gardait bien, il n'y avait pas les congélateurs à l'époque. Et ouais. Les cordons de fruitiers, donc, qui marquent bien l'extrémité des massifs, avec vous voyez, du Besselin, des variétés de salade, de la roquette. Bon, les pommes de terre. Les pommes de terre, ah oui, tiens. Les pommes de terre, on ne les trouvait pas à l'époque de Ronsard. Hein, mais bon, j'aime tellement ça que j'aime bien les petites pommes de terre nouvelles. Et c'est vrai qu'on en plante quand même tous les ans. Et avec pas mal d'aromatiques aussi. Voilà, par nous rapport avons une collection. Aussi. Voilà, nous avons une collection d'aromatiques. Et c'est vrai que les moines faisaient leurs herbes pour tout ce qui était médicinal. Saint-Côme, Saint-Damien, pharmacien et médecin à Saint-Côme, pour lesquels Saint-Côme a été créé. Et donc c'est vrai qu'il y a une collection de menthe, des vieux légumes. Bon bah Frédéric, on discute, mais on va peut-être travailler un petit peu. Qu'est-ce que tu vas me faire faire? Eh bien, si tu veux, on peut mettre des rames aux petits pois. Oui, ça je sais faire, mais je crois que tu as une méthode un peu spéciale. Eh bien, disons que nous, oui, en Touraine, on utilise de l'osier vivant, qui racine des fois après, mais on utilise de l'osier. Allez. Ça pousse, c'est une plante qui vient de Villaines-les-Rochers, chez nous. C'est un village qui est spécialisé dans l'osier en Touraine. Bon alors, tu plantes le premier, je te suis, ou j'essaye de te suivre? Je les plante à peu près tous les 20 cm, et puis tu sais qu'ils se rejoignent au milieu, comme ça, ça va monter, et puis ça sera plus facile à cueillir. Et si l'osier racine? Oh bien, en fin de culture, on peut l'arracher, et puis s'en servir pour faire de la décoration, ou faire du tutoral, autre chose, hein. Ça peut stresser l'osier, ça peut servir pour faire des compos florales, ça sert pour faire plein de choses. Hein, donc c'est vrai que ça sert toujours. Puis c'est pratique aussi bien que c'est joli. Je pense que ça fait plus sympa que des rames toutes simples. Il y a une belle couleur jaune sur l'osier. Ouais, l'osier jaune, c'est lumineux, c'est vilaine, beau. Hein. C'est lumineux, c'est vrai que c'est assez sympa. Tiens, toi qui es fort en aromatique, j'ai trouvé une aille l'année dernière chez moi à la campagne et je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça sent très fort l'ail, mais ça doit être une variété d'ail que je ne connais pas. Il y a un oignon très très gros, blanc. Oui, il y a un gros oignon blanc au pied, oui. Ouais, alors, à mon avis, je n'ai pas le nom latin dans la tête, mais je pense que c'est de l'ail d'Orient. L'ail d'Orient, ah, d'accord. C'est une vieille variété d'ail. Ah, oui, c'est une vieille variété qu'ils utilisaient à la campagne. Très fort. Allez, ça, elle est puissante, oui. Ouais. Et un beau feuillage. On peut consommer les feuilles, on peut consommer l'oignon. Mm-hmm. Bon, bah, et d'accord. Par contre, là, on va peut-être penser à le diviser l'année prochaine. Oui, parce que là, les pieds sont quand même assez gros. Ouais. Bon alors Frédéric, pendant que je suis encore là un petit moment, est-ce que tu as quelque chose à me faire faire? On peut buter les pommes de terre? Eh ben allez, on y va.
Le butage des pommes de terre consiste à ramener de la terre au pied des plantes pour provoquer l'émission de nouvelles racines et donc de nouvelles pommes de terre. Restons dans les jardins d'Indre-et-Loire. Jean-Louis Burezi nous fait découvrir des jardins contemporains d'inspiration médiévale ou renaissance. Ces lieux magiques mêlent harmonieusement végétation, eau et pierre et sont comme une invitation à remonter l'histoire. En Indre-et-Loire, de nombreux jardins sont en parfaite harmonie avec l'histoire de leur château. Au donjon de Loches, par exemple, un jardin paradisiaque s'épanouit à l'intérieur de cette imposante forteresse millénaire. Le jardin de Loches est un peu particulier puisqu'il est d'inspiration médiévale. Nous arrivons actuellement dans l'antichambre, sorte de transition entre la cour minérale du donjon et la richesse végétale de ce jardin secret. Nous pénétrons dans ce jardin secret. Cette partie pourrait correspondre en réalité à ce que l'on appelle l'herbularius, c'est-à-dire le jardin de simples aromatiques médicinales et plutôt condiments. En réalité, il a été réalisé sur le thème de la couleur, c'est-à-dire qu'ici, on trouve par exemple le carré blanc. Ensuite, nous pouvons découvrir le carré jaune avec de l'aneth et un pied de chélidoine qui commence à fleurir. Le potager qui pourrait correspondre à l'hortus où l'on retrouve quelques plantes qui existaient déjà dans le capitulaire de Vilis. C'était une ordonnance émanant de Charlemagne qui obligeait à ce que dans chaque domaine, l'on retrouve ces mêmes variétés de plantes. Cela correspond ici au carré violet. On trouve du romarin, de la pervenche, qui existait déjà à l'époque de Charlemagne, et de la consoude. Havre de paix et de repos, le jardin de Loches côtoie le donjon qui servit de prison à partir du XVe siècle. Prisonnier célèbre, Ludovic Sforza, duc de Milan et homme de lettres raffiné, décora lui-même les parois et la voûte de sa cellule. Il y inscrivit en grandes lettres « Celui qui n'est pas content ». Nous sommes à présent tout près de Chinon, au château du Rivaud. Cette bâtisse, de style Renaissance, est une ancienne place forte seigneuriale, datant du XVe et XVIe siècle. L'écu qui surmonte la porte principale arbore les armes et la devise des fondateurs, la famille Beauvau. Sous l'impulsion de ses nouveaux propriétaires, les jardins ont été restaurés ou créés de toutes pièces. La démarche ici au Rivaud, c'était de recréer des jardins qui n'existaient plus et donc de s'inspirer de l'histoire du lieu, donc de cette époque médiévale où le roman courtois était très à la mode, où le chevalier courtisait sa belle et comptait Fleurette, où on parlait beaucoup de merveilleux. Les jardiniers ont fait des recherches en France et à l'étranger pour retrouver les variétés de fleurs et de légumes qui ornaient les jardins au XVIe siècle. Des arbres fruitiers, comme les amandiers, les néfliers, les pommiers, les cerisiers, étaient déjà cultivés. Les bordures en châtaignier sont aussi de fidèles reconstitutions. La particularité, c'est que tous ces pots, tous ces bancs sont tressés ici au Rivaud et que c'est l'équipe des jardiniers du Rivaud qui les recrée pendant l'hiver. Dans la cour des communs, les écuries monumentales construites en 1510 fournissaient les étalons royaux. Auparavant, vers la fin de la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc et ses compagnons viennent quérir des chevaux d'équipage avant le siège d'Orléans. Les jardins ont été immortalisés par Rabelais, qui a situé au Rivaud certains épisodes de la guerre picrocolline. La forêt qui court rend hommage à la gigantomachie rabelaisienne. Troisième étape près d'Amboise pour visiter la pagode de Chanteloup. Avec le plan d'eau et l'ensemble forestier, ce sont les seuls vestiges
d'un des plus grands jardins historiques du XVIIIe siècle en Touraine. À l'époque, ce domaine était un lieu de résidence du duc de Choiseul et de sa cour. Cependant, en 1770, Choiseul est brutalement disgracié. Mais le fait politique du moment, c'est que tous les amis de Choiseul ont quitté ostensiblement le roi pour le suivre dans son exil à Chanteloup. Ce qui fait qu'ici, une véritable cour versaillaise s'est établie. Comme l'on disait à l'époque, on s'ennuyait à Versailles, la mode était à Chanteloup. Auparavant, Choiseul avait entrepris d'importantes transformations, ouvrant sept larges avenues venant converger en un point central où se trouvait la porte d'Espagne. Plus tard, il fit creuser une pièce d'eau semi-circulaire prolongée d'un grand canal, long de 500 mètres. Choiseul a voulu marquer d'un signe éclatant et visible la reconnaissance qu'il éprouvait envers ses amis qui avaient eu le culot, si je puis dire, de le suivre dans sa disgrâce. Et il a demandé à son architecte de lui faire ce prestigieux monument dans le goût de l'époque, le goût oriental. Du palais patricien, aujourd'hui, il ne reste plus rien. La seule chose qui est restée, c'est cet hommage à l'amitié. Et ça mérite d'être souligné. Frédéric, un jardin, c'est vivant, ça évolue tout le temps, selon les tendances, les goûts. Alors, quel est le dernier jardin créé au prieuré de Saint-Côme ? Nous avons créé un jardin des parfums, avec comme fil conducteur le rosier, car c'est la plante fil conducteur au prieuré de Saint-Côme. Allons voir Mignonne, Cilla Rose. Donc, dans tous les jardins, nous retrouvons des rosiers. Et dans ce jardin, nous y avons associé des vivaces. Pour pas que le rosier se retrouve tout seul, il y a une collection de pivoines, une collection d'émérocales parfumées, collection d'arbustes, collection de bulbes, beaucoup de plantes parfumées associées au rosier. Alors, un jardin des parfums, ça fait envie, mais lorsqu'on est un néophyte, comment est-ce qu'on le crée? Comment est-ce qu'on le construit? Comment est-ce qu'on le choisit? Eh bien, disons que moi, j'ai fait un petit dessin. J'ai d'abord fait la structure du jardin. Vous voyez que c'est un jardin clos, comme c'est un jardin des parfums pour bien garder les odeurs, le protéger du vent. Donc, nous l'avons clos de charmilles, de buis et de tilleuls rideaux, avec quatre fenêtres romanes qui rappellent un peu l'église. Et puis, nous avons associé donc avec ces rosiers d'autres plantes. Vous pouvez voir cet arbuste qui est fleuri à cette époque-ci, qui pallie au manque de fleurs des rosiers à cette époque-ci. Mmh. C'est vrai qu'on a de la fleur du mois de janvier au mois de décembre dans ce jardin et des odeurs toute l'année. Ouh, c'est un délice. Mais tout de suite, on retrouve Sophie en Normandie qui, elle aussi, s'intéresse aux nouvelles tendances en jardinage. Selon vous, qu'est-ce qui plaît le plus aux jardiniers français en cette année 2005? Eh bien, d'après les tendances de l'Observatoire national du jardin, les pépiniéristes, les jardineries également, à l'unanimité, c'est l'eau. Remarquez, ça fait un moment que ça nous tient déjà, mais je pense que cette année, c'est pire encore. Nous voulons donc des bassins, avec, si possible, des plantes aquatiques. Mais le mieux, c'est l'aménagement extérieur que nous peaufinons soigneusement en mettant en scène, en général, une jolie petite rocaille. Et puisqu'on n'arrête pas le progrès, souvent, on y met de la lumière. Et oui, des spots, des lampadaires, et puis ces petites nouveautés très sympas, des boules flottantes. Pour boucler la boucle, nous ajoutons encore une pompe pour filtrer l'eau, élément vital, mais surtout pour créer des jeux d'eau, car nous voulons entendre notre bassin vivre. Ne négligez pas la sécurité, surtout quand l'électricité et l'eau se côtoient au jardin. Il existe maintenant des boîtiers comme celui-là, qui nous permettent de gérer plusieurs prises, donc plusieurs accessoires, et aussi la télécommande. Tout est caché là-dessous. La tendance est donc au jardin zen, japonisant dirons-nous, qu'on peut illustrer avec trois ou quatre choses. Une lanterne japonaise, pourquoi pas, en roche volcanique. Deux ou trois arbustes aussi, ce petit pin des montagnes qui restera rond et trapu comme ça. Un autre en forme de cône pour changer un peu le relief, le tout chapeauté par ce très joli petit saule aux trois couleurs. Il est un peu saumonné, beige et vert, Salix integra. Écoutez bien son nom japonais, Akuro Nishiki. L'avantage, c'est qu'il reste petit et qu'on peut le tailler quand on veut. Autre bassin, autre jeu d'eau. Cette fois, c'est un Shishi Odoshi en bambou, relié à une pompe en circuit fermé. On l'admirerait des heures durant. Notre petit point faible, bien sûr, quelques poissons.
Et si la nature est généreuse avec nous, elle nous amène des grenouilles ou des crapauds qui viendront faire la fête dans nos bassins. Et croyez-moi, pour faire la fête, ils la font bien, surtout en période amoureuse. Il y a malgré tout un petit détail auquel on pense rarement quand on aménage un bassin chez soi, c'est que c'est une véritable nurserie à moustiques. Et oui, c'est évident. On peut lutter contre eux partiellement au moins en installant tout autour des végétaux très parfumés. Lesquels ? Les géraniums, mais pas les traditionnels. Le pélargonium odorant, qui sent très fort. Le citron, la menthe, la pomme, l'eucalyptus ou encore la citronnelle. Mais ce n'est pas tout, il y a des plantes beaucoup plus « classiques » entre guillemets. Le thym, la ciboulette, l'ail d'ornement ou l'ail comestible. Et pourquoi pas l'oignon rocambole après tout ? Il est très beau lui aussi. Bref, il y en a des dizaines comme ça qui peuvent nous être très utiles. Après les jardins d'eau, on bichonne tout particulièrement les fleurs qui sont concentrées autour de la maison toujours, ou sur le balcon. Il y a des petites nouveautés quand même dans ce domaine. Par exemple, ces balconnières qui sont percées sur les côtés et sur toute la façade. On y met deux fois plus de fleurs, mais le résultat est aussi deux fois plus fleuri. Pour faire quelques économies d'eau, c'est très tendance également parce qu'on a besoin de réduire un petit peu notre consommation. Voilà une petite nouveauté, c'est de la laine compressée. Ça sent très fort le mouton. Il suffit d'en mettre une petite poignée au-dessus de tous nos bacs. Ces granulés de laine vont absorber l'humidité des arrosages, puis la restituer progressivement. Mais surtout, ça va limiter l'évaporation. Résultat, deux ou trois fois moins d'eau, c'est prouvé. Même chose pour les suspensions ou les colonnes fleuries. C'est très tendance. Autre particularité dans nos petites préférées, les plantes grimpantes. On les adore. En pot, surtout. Pourquoi ? Pour les promener à droite ou à gauche, à notre guise. Pour résumer, nous aimons donc un jardin où se mélangent eau, fleurs, fruits et légumes. Nous voulons du beau et du bon. Un soupçon de nouvelles technologies ? Pas trop non plus. Nous préférons largement la culture à l'ancienne, avec des tuteurs faits maison, des paillages naturels et rechercher des espèces ou variétés oubliées. En fait, on recherche essentiellement tout ce qu'on aimait quand on était petit chez nos grands-parents. Et le maître mot, peu d'entretien. Pas du tout, même s'il existe. Alors celui-là, si vous le tenez, surtout prévenez-moi. Là, je vais avoir besoin de vous. J'ai quitté le prieuré de Saint-Côme pour rejoindre Sébastien dans le potager du château de Valmer. Alors Sébastien, quand est-ce que ce potager a été créé ? Donc ce potager a été créé en même temps que la propriété. Il date du 17e. Il a été complètement abandonné, fermé entre guillemets, il y a une vingtaine d'années. Et nous avons décidé de le remettre en fonction il y a 4 ans maintenant. Donc c'est un potager qu'on a appelé potager conservatoire, parce qu'on s'intéresse à l'historique du légume, mais on s'intéresse aussi à la diversité, les légumes étrangers ou des plantes juste alimentaires, aromatiques. Alors tu le sais, je suis gourmande et curieuse. Qu'est-ce que tu pourrais me dénicher que je puisse cuisiner un petit peu original ? On va aller chercher une plante qui s'appelle Polymnia edulis. Voilà. Plus simplement, on l'appelle poire de terre ou poire cochée, en hommage à M. Cochet qui avait voulu la développer. C'est un tubercule qui ressemble à une souche de dahlia. Donc les organes de réserve, c'est ça qu'on garde pour manger. Et comme pour le dahlia, c'est la souche avec les jeunes départs qu'on replantera pour avoir un nouveau pied. Et cette plante craint le gel ? Oui, il faut, dans des régions un peu froides, il faudra penser à rentrer la souche au même titre que le dahlia. Si le légume que nous vous avons trouvé est extraordinaire, la recette, elle, est toute simple. Je vous propose un gratin de poire de terre au parcelle, un hybride de persil et de céleri. Cuire les poires de terre tranchées 50 minutes dans l'eau bouillante salée.
J'ai préparé de façon tout à fait classique une béchamel. Beurrer un plat à gratin, disposer les lamelles de poire de terre, couvrir de béchamel, saupoudrer de parsley haché et faites dorer au four 20 minutes à 200 degrés. Ces deux circonstances, voici un très beau livre, Les légumes oubliés. Pâtissons, ail, rocambole, salsifis, mais ils n'ont pas retrouvé la poire de terre. Et puis, trois magazines à feuilleter, Jardin et loisirs, qui remet au goût du jour les légumes anciens. Avec les cahiers du potager, vous aurez un dossier complet sur les premières salades de printemps. Et votre maison, votre jardin, vous propose un spécial shopping jardin. Vous allez craquer, mais tout de suite, on retrouve Jean-Pierre au prieuré de Saint-Côme pour un conseil de spécialiste. On me demande souvent des combines, des astuces pour gagner quelques jours dans la saison ou pour protéger les premiers semis des coups de froid. Voilà un bon vieux système, bien moins coûteux que la serre, le bon vieux châssis. Un coffre en béton ou en bois, vous trouvez le matériel dans les magasins de bricolage. Un châssis en fer ou en bois avec des plaques ici en polycarbonate, mais ça peut être du verre. Simplement, quand il y a un rayon de soleil, Frédéric, on met un petit peu d'aération. Et puis, si ça chauffe vraiment beaucoup, on découvre. Le soir venu, bien sûr, on n'oublie pas de refermer ses châssis. Les plantes seront protégées jusqu'à une température légèrement négative de moins 2 ou moins 3. En cas d'annonce d'un coup de froid plus méchant, on déroule un paillasson. Notre escapade en Touraine est déjà terminée. On se retrouve samedi en Normandie avec Sophie qui fait le tour de son jardin. Jean-Pierre cultive ses plantes passion, les aromatiques. Moi, je cuisine une dorade aux pêches et Michel Levasseur nous entraîne dans les jardins de Menton. Au revoir à tous, moi je vous attends côté jardin.